T'as de la chance, je peux pas donner des coups de poing comme dans 7 Days. Voilà, l'image est là, normalement on doit nous entendre sur Twitch quand vous regarderez cette vidéo. Bonsoir sur Phasmophobia, en compagnie du grand fatigué, Papa Albator. Bonsoir Papa. Ouais, c'est moi, bonsoir. Écoute, hein, fatigué. Tu sais très bien que j'ai une caméra sur l'épaule tout le temps. Oh, regarde, il y a des petites lucioles aux poussières qui volent là. Je croyais que t'allais mettre un coup de boule. Mais non. Bonsoir Weirdo. Ils sont bêtes. Mon dieu, ils sont bêtes. Et la présence féminine pour nous temporiser. Bonsoir Anya. Bonsoir. Ah, merci. Et ouais, on avait une place, on a frappé aux portes des gens qui étaient présents. Et tu as bien voulu nous rejoindre, merci à toi. Bon les gamins... Oh là là, ils sont des coups de boule. Bah attends, il y en a qui sont fatigués par le boulot, il y en a qui sont fatigués de jouer aux zombies, hein, ça va faire du bien à tout le monde. Ah. Allez, je suis sympa. Moi, je vais mettre l'équipement du matos. Ah, vous êtes déjà tout rempli? Oui. Ouais, moi j'ai vendu. Ah, bouge pas, papa. Il n'y a pas de trépied. Ah ouais, carrément. Ah oui, c'est vrai que Anya, en fait, on l'emmène avec nous, c'est pas par amitié, c'est parce qu'elle est riche. C'est ça? Oui, c'est ça. Bien compris. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur Twitch, c'est la soirée détente. Sûrement pas tard si vous êtes fatigué, mais au moins quelques parties pour rigoler. C'est le dimanche avec notre ami Weirdo. Weirdo va bien. Ouais. Il va bien. Ne fuis pas la caméra. Ah. Et alors qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Il n'y a rien. Attends papa, je prends de l'élan. Ah, faut pas grand chose ce soir, je sens que ça va être épique. Allez, on est en professionnel. On a dit à Anya, ça allait être chill. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop non plus. Ah, ça y est, c'est parti. Ouh, aïe, aïe. N'importe quoi. Je monte un peu ton son, Anya, pour bien t'entendre. Pas du tout. Bah alors, les gars. Non, mais c'est les retrouvailles désolé, du week-end. Vraiment désolé. C'est les retrouvailles. Mais il y a besoin. Je suis pas encore dedans, moi. En fait, on a regardé une séance vite fait avant. T'avais tenté de nous rejoindre, Anya. Papa était sur une lune bleue de Seven Days to Die. On regardait le massacre pendant un quart d'heure, 20 minutes. Je voulais revoir aussi. Je voulais voir, ouais. On est en train d'y jouer avec Shakira. Ah. On se fait une partie parce qu'elle ne peut pas rejoindre le serveur de Papa. Du coup, elle a créé une partie. Et puis, on joue toutes les deux. Donc, c'est sympa. Quand veux-tu que je reste sérieux avec Wado? Je regarde tes conneries là. On était dessus sur le serveur. Est-ce que c'est un problème de carte de bande passante, allez savoir. Est-ce que tout le monde a coché prêt? Elle crache. Ah. Là, elle va cracher. Okay. Allez, tout le monde se met prêt. Serveur. Prêt. Je suis prêt. On est prêt. Le Weirdo qui est pas prêt. Bah alors Weirdo toujours le même. Mais non. Mais ça, c'est... Parce qu'il a changé. Et on a zappé les copains. On part tranquille sur Tanglewood Drive. C'est très bien. En mode professionnel. On aime nos petits fantômes du dimanche. Ah. Alors j'espère que ce soir le live ce sera bien meilleur parce que l'autre fois, à la résolution de chaque énigme, je crachais, je n'avais pas la réponse. Il faut que je revoie tous mes fichiers. Mais du coup, on est quatre, c'est super sympa. Merci à vous. Ouais. C'est vrai que c'est le bon jeu de détente d'immersion frayeur. Tanglewood Street. Alors, il faut qu'on fasse quoi? Qu'on nettoie la zone avec un bâton d'encens et il faut le bloquer avec un crucifix. Et c'est Harold Wilson. Écoute, dans ta tronche, qu'est-ce que vous prenez comme outil? Dites-moi, EMF pour Anya. Oh, caméra frontale, oui, si tu veux. Ah oui, j'ai le tout. Quelqu'un a pris le thermomètre ou pas? Une lampe de poche puissante? Si, j'en ai pris une. Il y en avait que 3 alors. Oh. Ah bah tiens, bon, si bah, tu tant pis. Non, tiens, bah, je prends la petite. Je vais me débrouiller, je prends la... Non, c'est bon, j'ai pris celle. Ok, le compteur doit être dans le garage. J'en avais une par terre, j'ai pris la normale. Donc pour l'instant... Eh ben c'est parti pour l'aventure. La team Scooby-Doo. Ah t'imagines, il ferait un jeu Scooby-Doo en 3D ou un mode. Ça serait génial. J'ai au compteur, moi, direct. Voilà. Alors, je n'ai pas peur, tout va bien. Ah, je crois que c'était par là. Je crois qu'il y a le crâne sur le lit, là. Déjà. Qui sait qu'il y a un appareil photo? Non.
jamais j'ai l'appareil photo. Ah ben reviens vers l'entrée. On réfléchit pas là. Tiens, c'est bizarre, on voit moins bien. Il y a le crâne sur le lit là. Le compteur est rebranché. Et on y va en détente absolue. Est-ce qu'on trouvera des trucs? Il n'y a pas de température froide. T'es sûr qu'il est branché là? Bah oui, j'ai mis le compteur. Ben, il n'y a pas de courant. Attends. Ah oui, il a sauté. Bah oui, quelqu'un l'a éteint ou quoi? Ah! Où ça? Dans la cuisine, autour du plan de travail. Là, entre le garage. Il y a un orbe juste là. T'es sérieux? Ouais. Bah oui, je suis sérieux, pourquoi je serais pas? Il y a une porte ou un. Ça a fermé où? Les UV peut-être sur les portes. Ah, EMF. 3 degrés. Il y a un passage 2 degrés. Un couloir. Elle est où la porte? Là, il c'est ici. Écoute, on va mettre un peu de sel dans le passage. Ouais, je vois pas d'empreinte. Je sais pas, on va le bloquer un peu. 0 degré, 0,7 les amis. Oui. Il m'a semblé que pas. Moins 0,4, température glaciale confirmée, ouais, on peut sortir. Ouais. Dans la cuisine, j'ai vu, ouais. C'est bon pour la température glaciale. Eh bien, écoutez, docteur Anya, bien joué. Je suis en train de surjouer, hein, mais je suis dedans. Hop. On voit ça. Ah bah ouais, non mais j'avais envie, je l'attendais cette soirée. Tac. Ah, regarde-moi ce bel orbe fantomatique. Ah bon? Où ça? Bah, attends 2 secondes, il vient de passer. Et un coucou, nos amitiés, à Osef, qui se repose et qui reviendra pour Conan. T'es sûr de ton orbe? Ah, certain, oui. Ah oui, ça y est, je le vois. Eh ben, dis donc. Deuxième preuve. Oh bah, celui-là, il est bien sympa. Vous avez pris les bouquins? Vous avez pris le bouquin? Bah, je vais prendre les empreintes du coup, moi. On va prendre la spirit box au cas où. Ils ont même pas regardé la santé mentale. Et la santé mentale est bonne. Allez, on rentre. Dans la maison de l'horreur. Ça serait où déjà? Alors, vous avez repéré? Vous lui avez parlé de la spirit box ou pas? Pas encore. Ça marche dedans. Ah. C'est pas moi. Attends, faire. Bonjour, petit fantôme. Es-tu là? Quel âge as-tu? Es-tu avec nous? Combien? Vers le garage. Ah mince. Est-ce que tu es dans le garage? Quel âge as-tu? Es-tu ici? Qu'est-ce qu'il est sympa ce fantôme. Si tu es avec nous, klaxonne dans la voiture. J'ai essayé de parler dans la radio, voir. Oui, pourquoi? Tu m'entends? 5 sur 5. Par contre, il y a une qui s'est mise. Bon, il ne parle pas dans la spirit box. Hein. Quel âge as-tu? Es-tu là, esprit? Peux-tu nous répondre? Je n'ai aucune manifestation. Bon, attends, je vais faire des empreintes. C'est pas assez. Non, enfin... Tu nous entends pas du tout, là tu m'entends pas. Activité 0 si jamais. Ok, j'ai posé le. C'est bizarre. Hein. Vous voulez que je vous laisse la spirit box ici? Ouais, vas-y, on voit. Elle fonctionne la radio pour vous ou pas? Quel âge as-tu? Oui. Moi je vous entends pas quand vous parlez dedans. Quel âge as-tu? Oh la vieille ampoule. Où êtes-vous? Oh punaise. Dans le coin. Voilà, hein. Quel âge avez-vous? Salut Ectoplasme, première enquête en mode professionnel. On a déjà 2 indices.
Comment il s'appelle? C'est Harold Wilson. Ouais. Ah oui, si tu veux l'énerver, vas-y, hein. On aurait pas un petit poltergeist là? Oh merde. Bah oui, attaque. Non, c'était une... Il s'est montré. Je me suis pas souvenu du bouton pour la lumière. Première mort. Merci pour la photo. Merci, Weirdo. Allez, il faut trouver une réponse. Vous êtes tous descendus à 30 et 25, Weird. Ah, il y a eu une attaque. Ah ouais, elle a pas duré longtemps. Peut-être qu'on a fait les frais. Comme ça, ils vont plus m'entendre, ils vont être tranquilles. Ah, c'était rapide, hein. Ouais, au milieu de tout le monde, c'est vrai. Mais c'est chaud parce qu'on est que... Regarde, on était à 70%. Ah, ça y attaque. Mais Weirdo est un inconscient. C'est vrai. Pauvre Weirdo. C'est sûr que c'est une attaque. Ah oui, c'est une attaque. Bon, bah, en professionnel, on peut se cacher. On le voit là, il bouge pas. En même temps, l'image a l'air figée, non? Ouais. Ah! J'ai vu passer, moi. Tiens, il arrive, il arrive. Ah ouais, l'image était figée, tiens. Il est mort. C'est pas vrai. T'es mort? Bon, alors, attends, qu'est-ce qu'on a? Ah, là, il t'a chopé où? T'en as dit température glacée à l'orbe fondre de ma... Tu sais que même mort, tu gardes ton casque sur la tête? Ouais. Ouais, je vois à l'écran. Je te vois à l'écran. T'es mort, mais moi, en tant que mort, je te vois. C'est excellent. Mais t'es mort aussi. Bruit des lancements, oui, sur le lieu du CEB. Piège rame, Bon, on a que deux preuves, hein. Ouais. Il y aurait un DOTS. Par contre, j'ai pris en photo. Trace DOTS, j'ai jamais vu ça. Ah bon? J'ai cru voir passer quelque chose. Ah, c'est excellent. Ça veut dire que... Que ça réagit aux dots. Ouais. Pour ma part, j'ai rien vu. C'est Yuray. Pour info, regardez dans les photos. Ah ouais, DOTS. On l'a vu passer. DOTS. Ah, c'est nouveau. Yuray Oni. C'est génial. C'est Yuray. Ouais. Alors ça, c'est une première, hein. Franchement, bravo. Tu l'as pris avant de mourir, comment t'as fait? Donc, température glacée à l'orbe fantomatique et projecteur DOTS, c'est un Yuray. Un Yuray, voilà. Alors, on va aller brûler de l'encens. Ouais, on n'a pas bloqué l'attaque. Je vais reprendre. J'ai repris de la santé mentale, parce que j'étais plus bas. Je vais repartir. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas la vue fantomatique dans le camion, t'as vu? Mmh, ouais. C'est perturbant. C'est comme si on était avec eux. Le jeu n'est pas buggé. Ouais. Je les suis pour voir un peu. Pam 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 pam. Là, allez, ça c'est normal. On est mort. Ah, oh, t'avais tenté de te cacher là. Je vais chercher un appareil photo pour prendre le corps. Ouais, ok. Bah, la bougie, il l'avait déjà mise. Attends, ils avaient pas un... Ah, l'ambiance est excellente. Hein. Et où, Yardo? Tu m'entends avec la radio qu'on est mort? Non, il n'y a pas de radio. Ah d'accord, ok. Ah. Non, il va y avoir une attaque, ne viens pas. Anya, tu vas mourir. Pourquoi brûler mon cadavre? Avec tout. Non, je vais passer l'encens. On va suivre le fumigène, tiens. J'ai pas dit le fumiste. Hein. Attention, mélangez pas les mots. La bougie a été validée. Ah ouais. Et l'encens aussi. Excellent. Nous on est morts, mais ils auront tous les bonus. Ah, oh, punaise, il y avait une attaque là. Moi je viens de le voir passer dans le DOTS. Est-ce qu'ils peuvent nous voir comme on est mort nous dans le DOTS? Est-ce que tu peux me voir? Bon, il va falloir le valider dans le crucifix. Ouais. Normalement celui-là est pas trop mal posé. Eh, je suis mort comme ça. Oh. Eh, me cours pas au maillot en travers là.
Je le vois là dans le DETS, il me court au milieu. Moi je vois rien du tout. Sur le plus possible, ouais. Bon. Je profite de faire des clichés. S'il y a une attaque, on va se régaler. Il fait la chenille. Oh, regardez le plafond, regardez le plafond. Ah, bonjour, ouais, il était beau. Ah, franchement, là, tout en fumée. T'as loupé Lourdo, c'était magnifique. Alors, il y a une interaction. Il y a le fantôme. Ah, ouais, trois étoiles en plus, hein, joli. Oh, on le voit bien. Ah oui, c'est exactement ce qu'on a vu. Rouge au plafond, c'est bizarre. Hein. Donc, on a plein de choses, là. Ouais. Ce serait bien de valider, là, le... Aussi. L'attaque. Ouais, ils gèrent hein, tous les deux là. On s'est fait avoir comme des bleus quand même. Alors comment on a pu être attaqué en groupe par un Yuray? Yuray. La Sainte Mentale n'avait pas tellement baissé nous pourtant. Bon alors. On n'a pas d'indice. Hein. Comment il s'appelle, George Miller? Ah, attaque validée. On s'en va. Et voilà, c'est fini. La moitié de l'équipe est morte, mais bravo. Bon, bah on a tout pris. Let's go. Ouais, je comprends pas trop. Tu crois que notre santé mentale avait baissé fortement, nous deux? Bah, je sais pas. T'étais à 20% quand il y a eu l'attaque, quand avant de mourir, toi. $50, super. T'as bien coché Yuray? Ok. Bon, bah écoute, on est bien. Hein. Il était beau le fantôme en plus. Il était superbe. Alors, moi je vois pas les mêmes photos que, ouais, que toi. Je le vois ici, moi. Oh, il est vraiment magnifique là. Dans le coin à droite. Ouais. Voilà, bah voilà. Bon, ben. C'est un Yuray, hein. J'espère que vous avez validé Yuray. Oui. J'espère qu'on sera meilleur à la prochaine enquête. C'est clair. Ah. Et du coup, je suis en train de me dire que j'ai plein d'épisodes Phasmophobia pour la semaine prochaine à mettre sur la chaîne YouTube. Il y a du First Class Trouble aussi. Il y a plein de choses que j'ai pas encore mis en ligne là. Ça va bombarder sur la chaîne. Bravo, hein. Très belle gestion. Le fantôme était magnifique, plafond rouge. Oui, effectivement. Quand il a spawn, là, quand il s'est montré, en tout cas, il était tout rouge. Mais j'ai pas compris comment votre santé n'est pas descendue en dessous de 60 et nous, on a été pouf, direct. Ouais, et d'ailleurs, j'avais pris une photo juste avant. OTS. Oh là là, 300. Voilà, c'est bon, l'équipement arrive. Il manquait. Tu disais une lampe. On peut prendre en photo le DOTS. C'est bizarre, hein. Ouais, c'est... Une lampe. Ouais. Une lampe, Puissante, hein. Ouais, puissante. Je vais en acheter un peu. Magasin. Moi, je vous laisse passer à la caisse. C'est mieux. J'ai cliqué sur acheter, c'est bon. Lampe puissante. Ah, c'est bon, j'ai rajouté les deux lampes qui manquaient. C'est ça. Vous voulez toujours faire en aléatoire? Non, tu veux quoi? Moi j'ai mis. Bah, après, votez pour celle que vous avez envie. Moi j'ai mis Rich Loot. Allez. Je suis prêt. Ils ont sacrifié les faibles. Ectoplasme, je non, sais t'es pas. T'es pas prêt, Tech. Prêt. Et on va bien à Reju. Donc on peut cocher tous comme on veut, du moins qu'il y a une majorité. D'accord. Pourquoi j'avais Zig d'Indiana Jones dans la tête? Non, il faut pas regarder le mur. Il faut pas. Je regarde s'il pleut dehors. C'est mouillé dehors. Il pleut. D'ailleurs, ça a bien craqué, nous, ce midi en Bretagne. Beurre. Alors. Ça craque chez vous ce soir, peut-être, non? Oui, oui, moi, ça y est, c'est passé, ça fait du bien. Hein. Respire. L'affaire Janice Alexander. Janice? Ah bon? Janice? Me.
bâton d'encens. Il faut échapper à une chasse et un son d'origine paranormale avec une orbe parabolique. Ah. Un micro parabolique. Micro. Ah, excusez-moi. Micro parabolique. Allez, je prends le micro parabolique. Bah, je prends le thermomètre. Hein. Moi, je prends le thermomètre. Caméra. Vous avez pris un bouquin, je prends le sel dans ce cas-là. J'ai pris un appareil photo et puis j'ai pris, bah, comme d'habitude, la caméra. Et le compteur, je ne le vois pas. Oh, il est dans la cave. J'arrive. C'est l'affaire Génis. On va meugler. Pourquoi veux-tu que ce soit encore un Yurei ? Ou c'est pour tout à l'heure que tu disais Ecto ? La cave. La cave, parce que pour l'instant, je peux rien faire. En bas. Hop. Adieu. Oh, il y a une autre porte. Ah, c'est sympa. Où est ce compteur électrique ? Généralement, c'est à gauche. C'est là. Au fond ? Tu l'as trouvé, toi ? Ouais, c'est là. Ah, bah écoute, j'avais pas vu, excuse-moi. Par contre, il y a plein de choses ici. On va peut-être trouver un os ou une poupée ou. Alors. Parce que Anya vient de mettre le courant, c'est pour ça. Peut-être que le bouton était d'office allumé. C'est le courant qui va allumer la douche. Si, si, un fantôme qui s'amuse à allumer et éteindre l'eau là dans la douche. Ah. Oh, poltergeist peut-être ? Je vois rien dans le sous-sol. Bon bah écoutez, on va remonter. Oh, il y a plein de photos. On va ouvrir au cas où qu'il faudrait se cacher. Marteau. Oh mais il y a beaucoup d'étagères là. Attends, je vais fouiner un peu. Ok, le compteur est bien là. Oh, le mannequin à moitié fait peur là. RS dans la cave, j'ai pris le temps de faire le tour. Ça va vous ? Ouais, très bien. J'ai trouvé la table de Ouija. Oh, super. Ah, il a marché. Il a marché, là, oui. Vous avez une preuve ? Passe dans le sel. Punaise, j'ai horreur de ça. Ils sont à l'étage, hein, on va les retrouver. Pour l'instant, j'ai aucune température froide. Hein. Ah, on se balade. Ah, ah, où ça ? Ah, le MF2 là. Où on est là ? Le MF2. Bonjour, il y a du monde. MF2. 5 degrés, pour l'instant, l'esprit, ça va. Et es-tu là ? Ah, 2 degrés. Ça marche pas avec les lumières. Ah, les biais sales, le mètre 3. Écrit dans le livre. Ok, j'ai déjà toutes mes photos. Hein. Je suis descendu à 1 degré. Bah, je pense qu'il est dans la salle de bain. Hein. Attends, on va le piéger. Je pense que. Vous êtes parti chercher les caméras ? On va aller chercher ça, le DOTS. J'ai déjà placé une caméra, mais on va mettre le DOTS. Ouais, ok. Bon, pas des températures glaciales, hein, rien du tout. Ectoplasme aurait vu des traces de pas dans la salle de bain. Dans le sel que j'aurais posé, ou ? Dans le sel, des traces de pas dans le sel ? Je sais pas. Des empreintes. Trace de pas, c'est écrit. Trace de pas. Ouais, attends, on va pas prendre un. C'est possible hein, qu'on en voit. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? C'est possible qu'on en voit hein, des traces de pas. De toute façon. On a toutes les preuves, c'est bon.
Je ramène une caméra. On a les, ah oui, c'est... preuves Spirit Vox validées. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme preuve? J'ai rien noté, moi. On a rien d'autre, en fait. Bah non, on a que ça. La caméra est dans le... 3, ça donne rien. Vous avez mis le livre? Oui, ouais, oui, oui, il était posé. Ouais, ok. Bon, alors, est-ce qu'il y a une arme fantomatique? Bah, le livre, il a été posé, donc... Par contre, je vois pas le dot au niveau de la caméra. Je vois rien du tout. Hein. Un papal. Ah, je suis dans la salle de bain. Dans le sel, tu as vu, Hector ? Ah, donc c'est pas un spectre, alors. Attends, s'il a bougé ça... Voilà, j'ai changé la vue. Ah, voilà. Nickel. Donc, si tu appuies sur le clavier, on aura en couleur, on verra le dot normalement. C'est marrant, quand tu appuies sur le clavier, on dirait que tu fais un... C'est mieux, hein. C'est comme c'est le perroquet. Comme ça. Ah ouais, ouais. Parce que je vois ta tête picorer le clavier, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve qu'on les voit mieux, les... Il fait l'encens. Alors, est-ce que ça valide Le micro, c'est validé. L'encens, non. On est bien, là, à l'abri. Hein. J'en ai marre de mourir. Bon, il n'y a pas d'or. Pas de trace. Ouais, c'est à zéro, donc il n'est pas vraiment timide. Ouais, c'est le dot qui éclaire. Le livre, il n'y a rien d'écrit? Je l'ai vu passer dans le DOTS. Ah. T'es sûr, j'ai rien vu? Pas de facile. Qu'est-ce qu'on pourrait emmener de plus? Emmener les caméras, l'UV, on a tout. Hein. Faut réinsister, je pense, avec le thermomètre. J'y retourne. On a combien en santé mentale? Ouh, dis donc. On descend. On est à 50% quand même. Ok. Ah ouais, on a pris une claque. Hein. Tu penses bon, que le... J'ai rien mis, donc moi j'ai rien à perdre. Le DOTS, t'es sûr que c'est bon, hein? Ah oui, oui, je l'ai vu passer dedans. Hmm. Vous pourrez le voir de toute façon. Yokai, spectre, fantôme ou déogène. On va bien voir. Allez. Je viens. Je viens parce que je veux voir... Avec la température, si on pouvait avoir quelque chose bah, de froid. Non, parce qu'avec Weirdo, on va essayer de provoquer une chasse. Ah, ok. Justement parce qu'on voudrait essayer de voir si on peut repousser. Bon, alors, vous êtes en santé faible, attends. 44 papal, 66 Weirdo. Ouais, ah, bah, ils sont dans la pièce pour mourir, là. J'ai bien coché le dot, mais on le voit pas. Hein. Non, on le voit pas. Comment il s'appelle? Oh, merci Prosper, merci pour le follow. Génisse Alexander. C'est une génisse. Génisse Alexander. J'ai jamais entendu ce nom. Non, 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 je savais pas que c'est un prénom anglophone, ça. Génisse. Voilà, donc eux, ils ont une santé mentale plus faible que nous, donc ils vont se faire agresser en théorie. Est-ce que ça descend? Oh, vous avez perdu 10%. Papal qui est très faible. Ouais, ouais, donc ça va marcher. Il faut qu'il arrive en dessous de 25 et il va y avoir l'attaque. En théorie, c'est ça. Hein. Je surveille la caméra, le DOTS, et si on voit une arme. Mais... Ça monte à 5, à 8. On n'a pas d'orbe. 7. Il y en a un qui va mourir, c'est sûr. Hein. Parce que je vois aucun dot, je pense aussi. Hein. C'est pénible ça. Tiens, regarde, je vais les suivre avec la caméra. J'ai pris le casque. On va voir ce qui se passe avec eux. Il est arrivé à combien, Papal? Tu es à 19%, Papal. Une attaque peut arriver.
Voilà, la nouvelle pièce. Ah bah non, ils ont laissé cette caméra-là, je crois qu'ils avaient emmené une autre caméra. Tu peux cliquer sur la souris si tu veux, Rania. Elle a changé de pièce ou pas? Non, non, il a laissé la caméra dans... Là, c'est leur casque. Ah, ah dans la chambre. Ah, bon. Elle est plus dans la salle de bain, quoi. Ouais. Vous avez laissé la caméra dans la salle de bain? Elle a écrit dans le livre. Écriture. Déogène. 7%, docteur. 7%, papal. C'est costaud, un Déogène, dis donc. Il y a un pavé dessus. C'est très costaud, oui. Un brouillard sans fin. Par contre, il veut faire l'encens, c'est risqué. Hein. On peut pas se cacher avec eux. 9%, papa. Il va mourir. Pas obligé. Tu pourras pas te cacher, par contre, ça avance pas vite, hein, Déogène. Il y a une attaque là? Ah bah alors c'était pas un DOTS. Ils ont une attaque là, je vois que ça clignote. Ah non, il peut sortir. Ah non, bah, c'était quoi? Oh, moi aussi j'avais mis le bâton au cas où. Pourquoi un démon? Alors tu vois, il n'y avait pas de DOTS finalement. C'est réussi. T'es sérieux, c'est réussi. Non, c'est pas réussi. Non. Putain, c'est trop bugué. Franchement, ouais, elle me sautait dessus. Là, j'ai claqué l'encens. Elle a disparu. On était deux en plus à. Ouais. On met l'encens. C'est pas normal. De toute façon, si ce fantôme est bugué et que t'es sûr d'avoir eu un dot, on reste sur le Déogène. Ouais. Mais elle a... en fait, elle a bougé de place. Elle est dans le couloir maintenant. Sauf que du coup, ben, il y a beaucoup plus d'endroits de spawn dans le couloir. Et le hic. Pour moi, il s'est carrément barré, hein, cette saloperie là. Donc moi, j'ai vu DOTS. Et je l'ai vu passer dedans et elle a écrit dans le livre. Et on a la spirit box puisque Weirdo l'a entendu. Ouais. Eh ben, on valide. On valide et puis on va faire un fantôme moins buggé. Déogène. Vous l'avez tous coché? Oui. Après, j'aurais pu y aller. Il est bugué. Mais non. Mais si. Et puis, comme on n'était pas en interactivité tous les quatre dans la maison, il voulait être chassé, c'était pas rigolo, quoi. Donc, je relance discrètement. Voilà. Allez, ça fait des sous. Oui, il faut voir ça comme ça. Pas beaucoup, mais ça fait des sous quand même. Enfin, ça rapporte plus que quand on est mort. $175. $100. Oh, allez, c'est okay. Ça. Allez, on ajoute le matos. On se met en quoi, alors pouf. Allez, moi, je me mets en aléatoire. Si c'est la prison, c'est la prison. Allez. C'est vrai? Cool. Je pense qu'en matos on est bon. On n'a pas de capteur sonore. Est-ce que... Oh, c'est pas utile ça. Non. Non, pas trop. C'est utile, mais il faut en avoir 4 parce que ça te dit dans quelle pièce il y a le plus de son. Ah, t'en veux alors? Bah, honnêtement, je trouve que c'est cher pour pas grand chose parce que ça. J'ai de l'argent. Ça sert pas énormément. Ouais, mais l'argent, faut le cumuler. Hein. Voilà. Pourquoi il n'y en a que un qui apparaît? Ah, j'en ai que un, mince. Bon, allez, on y croit. Petite maison, Willow Street, troisième affaire. Et cette fois, j'espère avoir plus d'action. Entre la mort ou dans le camion, c'était pas rigolo. Désolé, Willow. Je t'ai coupé la parole. Oui, je sais, mais pas grave, parce que sur Twitch, on m'entend encore. On m'entend râler.
Et pour ceux qui arrivent donc, c'est Papalbator, Anya Kuro et Weirdo qui est pas encore arrivé. On a perdu Weirdo dans les limbes d'internet. La zone ah voilà. On a quitté Genis pour faire l'affaire Shannon Roswell. Encens, photo, bougie. C'est les 4 bonus. Yes. Sans photo, bougie. Ok, c'est parti. Thermomètre. Non, j'ai pris un EMF, tiens. On rentre et c'est à gauche le compteur. Ok. Willow Street, c'est cool. Oh oh. Je suis figé. Ouh, j'ai eu peur. Allez, les amis, on repart. Quelqu'un a pris l'appareil ? Non. Spirit box, personne. Non. Parle dans la spirit box, donc il est c'est normal. Vas-tu t'ouvrir ? L'esprit, es-tu là ? Il le fait bien. Ah, ça, c'est bien fait. Ouais. Je me suis chié dessus, je crois que c'était dans. Non, pour de vrai. Ah non, mais il y a du travail hein. En plus c'est l'ancien, il fait même plus de bruit là maintenant. Ah pour ceux qui le découvrent, enfin c'est pas bien, il faut remettre le compteur pour que le thermomètre marche. Où ça? Oh, oh Yalos. Quel âge as-tu? Elle est où la chambre? Ici. Ouais, j'ai ouvert le... Bravo. C'est toi qui as bougé le ballon Ah, non. Non, 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 non. 1,8, 1,7. On peut pas se cacher dans le placard? Ah, j'ai posé, merde. J'avais pas calculé. Ah, c'est pas grave. On n'a pas les températures glaciales. Bah, tant mieux, parce que comme ça, c'est pas un démon. 0 degré! J'ai eu 0, ouais. Ça compte ou pas? On a parlé trop vite. Oh. Allez, Shannon, moins 0,7, c'est confirmé, Cassos. Température glaciale confirmée. Alors, MS5 et. Température glaciale. Température glaciale. Ouf. Oui, c'est à 5. Alors attends, je mets la preuve déjà. Alors du coup, il y a EMF, température. Ouais. Oh. Et t'es bloqué à la porte? Je te vois bloqué à la porte, Anya. Non, 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 c'est déjà mon journal. Elle a crié. Oui, 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 on a entendu, hein, le petit... le caressage de voix dans la nuque... Ah oui, ça va les gars qui arrive, Ah. D'ailleurs, la voix qui craque, on l'entend plus. Tu sais, ce truc-là qu'on avait au début du jeu. C'était... Ah, ça me faisait flipper à mort, ce truc-là. La bougie, tiens, je vais bien prendre la bougie, moi. On prend briquet. EMF, on n'a plus besoin. Ah non, je veux pas prendre l'encens. La bougie. Voilà. Et santé mentale, on est bien. Ah, papa, elle est à 52%. J'amène la bougie. Gentiment, ne pas mourir. On y va cool. On parle pas trop. Voilà. Et toi, tu amènes l'encens. J'arrive avec un bâton d'encens, par contre, je n'ai pas le briquet. Eh ben, écoute, je te laisse le briquet devant le tapis. Ok. Le tapis est bleu, c'est la merde. Attends, je vais le mettre devant la bougie. Oh, putain. Ah. Tu l'as vu? Tu l'as vu ou? Non, non, j'ai senti dans la nuque, là. Ouais, on l'a entendu crier, oui, mais... Ah, tu m'as entendu, surtout. C'est bête, mais ça marche à chaque fois. Regarde, ça c'est fait. Ah. Il a éteint la bougie et on a nettoyé le truc. Prends une photo d'entité maintenant. Il a pas écrit dans le bouquin. Regarde, t'as vu ce qu'il a écrit? Nourrissez-moi avec des pierres noires et le feu grandira en retour. Je réchaufferai cet enfer et demeure enneigé. Des pierres noires? C'est nouveau, ouais. Alors Anya, t'es pas là, mais il a écrit dans le tableau dans la chambre. Montrez-vous. T'as pris la photo, Weirdo? Montrez-vous. Weirdo a pris une photo. Si tu regardes les photos, tu verras le tableau, ce qu'il y a décrit. Où es-tu, Shannon Roswell?
Il m'a fermé la porte devant le nez. Shannon Roswell, montrez-vous. Pourquoi vous avez fermé la porte? Quel âge avez-vous? Pour être intime avec elle. Shannon. Où êtes-vous? Pas là. Température glaciale à nouveau. Le truc est sorti. Mais enfin. On fait pas flipper les copains. On va sortir. Oh, il a allumé la radio. Oui, 1h48. Ça sent la fin. Interaction 3 étoiles, bien joué. Ouais. Par contre, pas d'empreinte. Hein. On a que deux preuves, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Faut qu'ils prennent des pilules là. Parce que, oui, oui, oui. Ils vont toi encore disparaître. Mais... Et on a réussi. On a fait toutes les quêtes bonus. Oh, c'est beau. Oui. Franchement, c'est beau. Ouh là 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 là. Passateur, 8%. Oh, mais là, t'en bouge pas, merci. Attends, on doit avoir des super photos. Je regarde ça, le tableau est riche. Oh, le tableau est beau. C'est la première fois que je le vois, ce truc là. Alors, on a lancé un concours de photos, vous préférez laquelle? Ah ouais, elle est belle, hein. Vous avez réussi à prendre le fantôme? Oh, c'est non, incroyable, j'ai dégoûté. Elle est trop belle, sa photo. Ah, j'étais pile en face. Elle est trop belle. La vache, oui. Bon, il nous manque une preuve, en tout cas. Ouais. Non, on a tout. Bah non, température et MEF, qu'est-ce que t'as de troisième? Et on a la spirit box aussi. Ah. C'est des jumeaux. Ouais, c'est les jumeaux, on a tout validé, on peut se casser, on s'entrée. Attends, parce que j'ai rien validé, moi. Mais on a fait les bonus. Température glaciale, spirit box, et puis l'autre, c'était quoi, MF5, les jumeaux, on est bon. On a fait tous les trois bonus. Yes, impeccable. Et là, personne n'est mort, c'est quand même impeccable. Eh ben, on valide. Oh, je suis à 6% de santé mentale. On arrêtait pas de te le dire. Mais... Hey, on vous a démasqué les jumeaux. Yeah. Ça va se lâcher, je sens les sons. Bon, de mieux en mieux. Ah, l'XP. Ouais. C'est beau, ça. Oh, ouais. Elle est tellement pas avec le... la vita. 267$ quand même. Waouh, c'est super. On ajoute le matos. 267, t'es sérieux? Moi j'ai eu 217, qu'est-ce que j'ai? Moi aussi. Eh ben, ça s'appelle la qualité professionnelle. J'ai déjà passé l'écran, donc je peux pas vous dire. En plus, je suis bien, là, je suis dans la pénombre chez moi. Là, je suis dans l'ambiance maintenant. Ah. Je suis tout le temps dans le noir pour jouer à Phasmo, je supporte pas de jouer avec les... Ah bah oui, non, il faut. On réattaque tout de suite ou vous voulez faire une micro-pause? Besoin de boire quelque chose? Non, autant enchaîner. Allez. Je suis bien à fond dedans, donc... Ouais, c'est de mieux en mieux. Si je fais une pause, je risque de m'endormir. D'accord, eh ben écoute, je suis prêt. Paf. Me too. Me too? Oh, la map préférée de Papa Albator. En plus, on a la grande map. Ça réagit. C'est tellement le bruit qu'il faut avec cette map. Je suis d'accord. Ah, c'est beau. Oh. Ah, voilà. Allez, chargement. Voilà, attention. Le camping. Et puis, alors, c'est pas la petite. Hein, non, c'est la belle. Camping, hein, on rentre. T'as dit que t'étais chaud, donc voilà. Ah, ouais, je suis chaud là, tu vois. Je me suis chopé. Ah, puis le générateur est au fond du fond. Saleté. Ah, Suzanne Manson. Une photo. Manson. Une bougie. On sent. Ça, c'est un nom de psychopathe. Ouais. Allez, je prends le livre. Marilyn Manson. Ok. Eh ben écoute, moi je prends le thermos, maître et la spirit. Allez. C'est la grande en plus. Oh ouais. Allez, on va aller griller des chamallows. Attends, moi j'ouvre en grand, hein, parce que là. Bonjour, es-tu là?
Est-ce que tu connais Marilyn? Quel âge as-tu? C'est son frère. Ouais, j'aimais bien ses clips. Hein. Je sais pas ce qu'il est devenu. Il s'est scarifié, il est mort ou pas? Quelqu'un est là? C'est souvent dans les chiottes qu'on meurt. Il y a des toilettes quelque part. Esprit, es-tu là? Quel âge as-tu? Alors le problème du camping, c'est qu'il est très grand. Je vois le générateur. Il y a quelqu'un? Quel âge as-tu? Le générateur est branché sous un thermomètre. Le courant est remis. Écoute, on va essayer de repérer avec la température et après on fera la spirit box. Je suis un peu seul, hein. Ça va, vous? Oh, punaise, ça c'est va, fou. Ça va, et moi, oh, j'ai horreur de ça. Mais bon, il faut y aller parce que s'il y a un os, ça fout la trouille, hein. On va aller toutes les tentes, après on va aller au cabanon. Je suis dans la maison. Oh, punaise, et alors? Je te fais des œufs au plat? Ouais, ouais, avec du bacon. Bon, température nickel pour l'instant. J'ai pas trouvé de truc. Ah, il y a toutes les petites tentes là aussi, eh. Température froide. Est-ce que tu es là, esprit? Dis-moi tout. Es-tu avec nous? Mais oui, Odo, je te vois. Quelqu'un a appareil photo? Il y a un os devant la grande tente verte où je suis. J'ai pas. Ah mince. Ok, je reviens, moi. Ok. Adia, t'as pas d'appareil? Je reste devant la tente. Écoute. Esprit, es-tu là? Au pur hasard. Quel âge as-tu? As-tu vu Papa le batteur? Ouais, c'est un mandibule en fait. Esprit, nous aimes-tu? Quel âge as-tu? Là, devant la tente. Là, juste là, papale. Voilà. Bon. C'est moi ou j'ai entendu le portail? Ah, j'ai rien entendu. On peut toujours aller voir notre santé mentale, hein. Voilà, y'a rien du tout. Hein. Mais moi, j'ai rien trouvé là-bas. Hein. Je vais voir si je trouve des orbes ailleurs. Je suis perdu, là. Là, c'est le cabanon. Ok, on y va. Oh bah, on va voir la température, on va ausculter un peu. On est à l'autre bout du terrain. Ah oui, la dernière fois, il y avait un masque dans l'eau, là. Oui, il y a toujours le masque de Jason. Est-ce que tu es là? Quel âge as-tu? Réponds-nous, esprit. Il y a une croix. Es-tu la sœur de Marilyn Manson? Allez, je l'ai dit. Es-tu ici? Que veux-tu? Quel âge as-tu? Dors-tu ici? Es-tu mort? Es-tu dans la maison en bois? Je capte que dalle. Es-tu avec nous, esprit? Quel âge as-tu? Es-tu jeune? Es-tu vieux? Es-tu là? J'ai rien à la spirit, j'ai rien au thermomètre. C'est grand hein, comme maison, c'est pas mal. Hein. Rien du tout.
la salle de bain. RAS, vous êtes sûr qu'il y a un fantôme dans ce camping? Bon, tranquillement, on va revenir au camion voir la santé mentale. Bon, je pense qu'il faut qu'on change nos outils, là. Bah, bizarre, hein. Faut prendre une parabolique. Ah oui, on va faire plus fin. Par là, c'est un peu plus froid, mais il n'y a pas grand-chose, quoi. T'as pris l'antenne? Ok. Oh merde! C'est une blague ou quoi? Non, c'est pas une blague, il y avait une attaque. Quelqu'un est mort, je sais pas qui. Allô? Ah! Nadia, ta santé mentale descend très vite. Oh la vache! Ouf, c'est chaud, je l'ai entendu. Ah, il est passé à côté c'est de moi. Mais quelle horreur! On vous regarde où il est mort, où? Ah bah, il était à côté de moi, à gauche du portail, j'ai entendu. Je n'ai pas vu le corps, mais j'ai entendu. Ouais, donc alors. Le fantôme est pas si loin que ça. Bah ouais. Écoute. Timide, hein. Et en température, t'as rien? Mais non, mais j'ai pas été à gauche. J'ai tout fait tout le centre et à droite et le cabanon. Donc on peut refaire la température. Hein. Bah, je prends la température. Quelqu'un me suit avec le MF? Tu as le MF, Anya? Ouais, faut vous avez... Ouais, ok, c'est. Elle est là. Je te... Et moi je prends la spirit box, je reste avec. Là, et on va prendre les empreintes au cas où. Lâche. Ah, il faut tenir. J'étais caché à gauche du portail, je l'ai entendu là. Ah, où est-ce qu'il est mort? À gauche du portail là-bas? J'étais là moi quand j'ai entendu Weirdo mourir. Ah bah, Weirdo est mort ici. Ah bah, dans la tente. Ah, il y a 8 degrés ici, hein. Ah, c'est pas très chaud. 8 degrés alors que partout ailleurs j'ai 15, entre 15 et 17 degrés. Esprit, es-tu là? Est-ce que tu es ici? Quel âge as-tu? Ouais, ici ça baisse, hein. Quel âge as-tu? Ici, on est en dessous de 10 degrés, ça ressemble. Es-tu jeune? Es-tu vieux? Y a rien à l'EMF, hein. Bon, mon ami. Oh. Hop. Ah, attends, je fais les empreintes pour voir, mais... Qui c'est qui a acheté un ballon? Non. J'ai entendu un ballon... Oh, encore une attaque. Je te vois pas. Ah non, non! Ah, et en plus, elle avait une faucille. Il y en a qui ont du bol, hein. Non, mais c'est. Elle est pas arrivée de là du tout, hein. Ah! C'est punaise! C'est trop dur le camping. Hein. Salut cadavre, ça va? Weirdo? Weirdo? Es-tu avec nous? AFK Popo? Tac. Va pas te faire mal. Comment ça je l'ai pas eu? Je l'ai photographié en plein. Ah t'es mort tech, nickel. Ah ouais. Tu vas me chercher un verre d'eau. Bah t'avais raison. Non je pense pas mais à mon avis on n'est pas du tout sur le bon endroit. C'est un fantôme qui se promène, hein. On a aucun indice. C'est un fantôme qui baisse sa santé et qui chasse loin. Attends je vais prendre Ça va être... Un cacheton parce que sinon je vais mourir, mon cacheton de truc. Ça m'a pas répondu à la spirit box. Oh, c'est bête parce que bon, les. C'est pas difficile les.
Oh punaise, température glaciale, on l'a pas eu. Hein. C'est peut-être pas un démon non plus, je ne sais pas. T'as une idée, Wardo, toi, avec le peu qu'on a? Alors là, franchement, on a rien compris. J'ai rien compris ce qui se passe depuis le début. Ah ouais, ouais. Pas où est-ce qu'il est, le fantôme. Non, on se fait boulotter facilement. Trop dur, la map. Ah, et en santé mentale, ils sont comment, les copains? Papa, il n'a plus rien. Ah, la vache. Elle vient d'allumer un truc, un matériel électrique. Ah. Là, on est mort, on ne voit plus rien. Il y a une lumière qui est allumée là-bas. Voilà, voilà, on a rien du tout là. Alors, par contre, il faut aller poser les outils, mais ça va pas être drôle. Sachant que moi, je suis déjà cramé en santé mentale, je vais essayer d'y aller quand même. N'entre pas, hein, parce que si jamais. Est-ce que j'ai validé l'encens? On va suivre Papa le Bâton, on va voir ce qui se passe. Je vais prendre ça. Anya est plus courageuse que moi, elle a du cran elle aussi. Hein. C'est moi qui ai la trouille tout le temps. On ne sait pas où est le fantôme. Il attaque très loin. Quel âge avez-vous? Ah, il tente la spirit. Quel âge avez-vous? Oh mince! Oh, putain, je suis mort. Oui, c'est dans la tente. C'est oh, la vache. Il a fait une apparition. Il a trouvé. C'est dans la tente, papa, fais gaffe. Ah, la vache. Non, c'est pas une attaque, mais elle m'a fait une belle apparition pendant que j'étais dans la tente. Là, il y en a presque. Là, il y en a là. Ouais, c'est dans la tente jaune, en fait, elle est là. Alors, j'ai posé le livre. C'est tout ce que j'ai pu faire. Elle n'a pas répondu. J'étais tout seul dans la tente, mais elle n'a pas répondu. Merde. Donc, quand il attaque, elle ferme pas forcément le portail, d'accord. Au taquet, bah, elle a peut-être écrit dans le livre. Hein. Suzanne et Furax. Je ne veux pas qu'on la dérange. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a plus de parabole. Ouais, mais si j'y vais, là, je suis mort, moi. C'est même avec un seul indice, on n'y arrivera pas. Faut quitter le camping, je pense. Déjà la moitié d'équipe qui est morte. Ouais, c'est une perte de temps, cette map. Alors, Anya, tu ne m'entends pas, mais par esprit, c'est l'autre tente. C'est l'autre tente. C'est là. Oh, une attaque. Anya. Cache-toi. Ça a buté. Cache-toi, Anya. Ok, elle est là. Oh, elle chante. Tu le vois, le fantôme? Je l'entends, mais je peux voler. Ah, elle est là. Cette saleté a sa faucille, là. Je vois même pas. Des vagues apparitions, c'est une vieille. Ok, c'est fini. Papa va en plein dedans, il a plus de santé mentale. Aïe. J'ai vu, hein, mais... Merde, j'ai pas de briquet. Ah, je peux même pas savoir si c'est écrit dans le livre. J'ai pas de briquet, je vais mourir. Très difficile l'enquête, hein. En briquet, j'ai en fait dès qu'elle a arrêté d'attaquer, je suis parti comme un malade pour aller claquer l'encens. Oh là là, je suis parti, j'avais la bougie et l'encens. Alors maintenant ça va, je vais essayer de claquer l'encens. Surtout rentre pas. Elle était dans la tente bleue, deux fois passé devant la tente. Oh, elle a allumé les lumières. Il fait du bonus. Mais tu peux sortir, papa, le portail est ouvert. Les toilettes, on les a pas inspectées, j'ai pas fait les toilettes.
Et là, c'est le drame. Le portail se ferme. Putain, j'ai cru qu'elle attaquait, en fait. C'était juste une apparition. Est-ce que j'ai validé mon sang? Putain, non, il faut rien que j'y retourne. Tout. Merde. Et nous, on est que témoins, on peut pas aider. Et l'attaque directe. Adieu, papal. Une attaque. Dans les chiottes, t'aurais dû aller dans les toilettes. Ah bah, c'est fini. T'es pas mort? Ah si, quand même, y'a une justice. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Ah, très bien, la synchro, la voix, Weirdo. Excellent. Ah, pauvre papal. T'es mort. C'est moche, hein. Bon, bah, on n'a plus que Anya toute seule. Si Anya meurt, imagine si toute la team meurt, là. La map maudite, on va perdre tout le matos. On n'entend pas, papal, t'as pas de micro? Allô, allô, allô? Allô, allô, allô? Allô? Et on joue RP, elle nous entend pas. Allez, va-t'en, Anya, va dans le camion. Est-ce qu'on va marquer? On a rien! Le plus chiant, c'est son Lioret. La rapidité du. Comment ça se fait que tu m'entends pas, toi? Mais je ne sais pas. Bah, là, tu m'entends? Oui, comment c'est ça que je t'entends? Bah, je suis revenu dans le camion. Ah, d'accord. On est à Oni, hein. Moi, j'ai mis un démon, mais j'ai un doute. Hein. J'avoue, je ne sais pas. Pourquoi elle a mis un Oni? Je ne sais pas. C'est trop dur, là. C'est trop dur. On va essayer parce que je sais pas. Et je suis à 21%. Ah, l'encens a marché. Oh, bah, au moins un truc. Mais on a perdu tout notre matériel. Ah, punaise. Pouh. Eh ben, c'est pas beau, hein. Ah, c'est pour ça qu'elle est apparue de côté. C'est des jumeaux. Nul cette map, nul. Ah ouais. On s'est fait défoncer axe. C'est ouais. Clair. Et puis l'ensemble a marché à la fin. Ah, ouais, mais pour 5 dollars, bon. Si j'avais su. C'est nul hein, le camp. Alors le matos, est-ce qu'on est bien? Les pilules, on est top. Les caméras frontales, on en a deux. Tant qu'Ania meurt pas, on a tout le matos qu'on veut. Ouais, c'est vrai. lampe de poche puissante. Mais c'est lui, hein. Ça va, Weirdo? Ouais. Je peux rajouter un thermomètre. J'ai pas compris les jumeaux, pourquoi les jumeaux? On va acheter un thermomètre. Il est où le thermomètre? Alors, on va se mettre bien. Ah, et on voit ce qu'il y a en fait. Par photo, il n'y en a que deux, on peut en rajouter. Allez. On a de l'argent. On achète. Allez, on se met prêt. Tout. C'est quoi? Ah oui, ok. Prêt. Allez, on se met prêt. Weirdo. Comme dit papa. Ah bah, je suis pas prêt, pourquoi? Vous avez changé? Vilain. Oh, on change d'ambiance. Bon, j'espère qu'on aura beaucoup plus de plaisir et de chance. Les jumeaux, c'est comme deux fantômes différents et à deux spots différents. Et en plus, on a un pétomane dans l'équipe. On devrait y arriver. Il pleut. J'espère qu'on aura plus de chance, là. Et de trois. Bonjour, c'est Éric Zemmour, votre candidat à l'élection présidentielle.
C'est daté, monsieur, c'est daté, c'est passé. C'est un peu vieux, ça. Sarah Rook. Détecter la présence avec un capteur de mouvement. Compliqué, là aussi, je le sens. C'est quoi, là? Ah, il a chié, celle-là aussi. Eh ben, thermos. Non, si, ça va, c'est, elle a un grenier et tout. Si, ça oh, va, c'est à l'autre bout, c'est pas vrai. Ou alors, je passe par là, j'ai... Là, d'accord. Je vais faire le tour, moi. Thermomètre, EMF, tiens. Je vais passer par l'autre côté. Trop tard. Tu vas mettre le compteur ? Ouais. Et en passant par là, ça me permet aussi d'éliminer une forte zone avec les orbes. Et en plus, j'ai pris la spirit box, je me suis planté. Le compteur est en face. Le camping, vraiment chiant. Hein. Franchement, là, c'était vraiment balèze. Merci. Alors, est-ce qu'il y a de quoi se cacher là-dedans? Oui. Ouais, bonne nouvelle. Par contre, tu éclaires avec les orbes, là, c'est pas ouf. Merci. Ouais, mais là, je vois plus rien. Bah, je sais. Je vois plus rien. Le courant est remis. Pas d'orbes. Vous êtes vivant? Bon ben, s'ils sont déjà morts, il faut vite qu'on se sauve. Hein. Bah écoute, ça répond pas. Ah, je crois que j'ai trouvé l'os, là, tiens. Comment ça, je peux pas le... Ah, oh, il y a un problème. Une mâchoire. Non, Weirdo, tu peux lâcher la porte? Ah oui, d'accord. Vous êtes toujours là ou pas? Allô? Oui, oui. Pourquoi c'est allumé, là? Bah, c'est pas nous, hein. Vous avez allumé le salon avec le ventilo? Non. Ah, ok. Oh, tu me fais peur. C'est moi qui viens d'éteindre. Tu me fais peur. Bah, je pense que c'est à l'étage, j'ai rien du tout, là. Orbe fantomatique, ici, dans la pièce, là. En bas? Juste là, ouais. Au rez-de-chaussée. Orbe fantomatique dans le bureau, en entrant à gauche. Alors. Oh bah 1,2 direct. 1 degré. 0,8. Il fait frais. Il fait frais, il fait frais. J'ai déjà fait celle-là. 1,6. T'as le thermomètre, Anya, ou pas, tu me dis? Non, non, c'est le MEF. Et j'ai déjà fait cette pièce. Moins 1,1. Ah. Température glaciale confirmée. Ah oui, ça, c'est vrai. Allez, ça y va, là ça marche. Du coup, es-tu ici avec nous dans la pièce? Esprit, es-tu là? Es-tu âgé? Es-tu jeune? Quel âge as-tu? Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Est-ce que tu entends Weirdo? Est-ce que tu me sens? Est-ce que tu es là? Bon, on va laisser ici. On va, on va chercher du matos. Ectoplasme a une remarque à faire. Ah. C'est quoi? Séparer le pétomane du briquet. Ah merde, je suis parti avec. Alors, est-ce qu'on a une caméra de poser? Je crois que les gars ont mis une caméra. Ouais. Ah oui, on voit bien l'orbe fantomatique à l'écran, nickel. C'est bien, l'orbe est toujours là. Par contre, le dot n'est pas placé du côté de la caméra. Attends, je vais regarder. Il y a deux caméras. Il y a deux caméras? Température glaciale validée, plus orbe. Ok, dans ce sens, c'est bon, c'est fait. Alors maintenant, faut assister. Empreinte digitale aussi, on a les trois, c'est bon. Oh! Allez. Alors, au camping, autant c'est la galère. Un Antu? C'est un Antu. Digital, température glaciale et orbe fantomatique. Antu. C'est une apparition fantomatique. Ah, super. Les box validées aussi, attendez. Comment ça?
Il manque plus que l'apparition. On a quelle santé ? Je sais qu'il y a une spirit box de validé aussi, alors qu'on a 4 preuves déjà. Attends, il t'a répondu ? Ouais, il a dit hold. Moi j'ai pris une empreinte. Enfin, j'ai vu l'empreinte. Il y avait la température parce qu'il y a la fumée et il y avait l'orbe de Papal. Est-ce que t'es sûr, Papal ? L'orbe elle est devant l'écran, c'est confirmé. La température, je te le confirme, il y a de la fumée. Après, ça se joue entre l'empreinte. Et j'ai eu un spirit box. Tu as pris en photo l'empreinte ? Attendez, il y a le fantôme ou qu'il y a les orbes aussi, même si c'en est pas. C'est le mimique. Mimique. C'est bon, c'est le mimique. Mimique. Comment ça ? Il a les orbes en plus des trois preuves. C'est bon. Par contre, si vous avez une photo pour prendre les empreintes. Oh la vache ! C'est chaud le mimique, c'est nouveau ça ? C'est pas le mimique, puisque le mimique, température glaciale et orbe, il est pas dans la liste. Faut que tu enlèves les orbes. Ah, ok, oui. Ok, excusez-moi. Donc là, ils sont en train de faire tenter une apparition fantomatique. Il n'y a pas d'attaque, hein. Pour l'instant, vous êtes peinards. On passe d'une map complètement dingue. Là, c'est subtil, mais on a trouvé les empreintes, tout, quoi. C'est rapide, hein. Bah, à 4, de toute façon, on a plus de chance. Tu y joues des fois en solo ? Non. Et bonsoir à toi, Vivi Braze. Salut sur Phasmophobia. C'est déjà notre cinquième enquête. On est morts presque tous plusieurs fois. On sort du camping où c'était une catastrophe et là on est dans une ferme, on a déjà tout. Sauf que je viens d'apprendre un truc. Parce qu'on a trouvé la spirit box, les empreintes, la température et on voit des orbes à la caméra. Quelque chose que je ne savais pas, c'est le mimique. Spirit, empreinte, température glaciale, mais plusieurs rapports indiquent que des orbes sont à proximité des mimiques. Donc c'est un trompe-l'œil ce machin-là. Et là, papa les weirdos font à pas. Et nous, on est bien au chaud, au camion, hein, sous un bel orage. On va pas se bousculer. Ça va, vous gérez, hein. C'est quoi ? Tu sais quoi, je vais être terrible. Je vais mettre en position entre la caméra et l'activité. Je reviens tout de suite. Comment ça, mon ref? Même pas ça. Oh merde! Oh, c'est con ça! Re. Oh, mais ça se lâche! Ils ont validé? Ah non? Bah alors? Ah, c'est la fin, Weirdo, les carottes sont cuites pour toi! Bon bah on valide de toute façon, c'est que c'est le mimique, on va être lâche. On va laisser papa là. Je suis désolé mais celle-là je suis mort de rire derrière. Quelqu'un a l'appareil photo pour la preuve ? Pourquoi t'es mort de rire ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Bah attends, j'arrive parce que ça va toute seule. Ah, parce que j'ai joué le son Phasmo là dans Discord et je t'ai vu partir instant. Oh, il y a une attaque, il y a quoi là ? Non, elle fait une apparition. Ah là là, mais elle va nous tuer.
Weirdo, t'as pris une pilule? C'est bon, c'est validé. J'ai une apparition, mais je sais pas si ça m'a... Ah, il est mort juste à l'entrée, c'est cool. C'est dommage. Eh bien écoutez, et toutes les quêtes bonus sont validées et nous on n'est pas mort. Oh, ça va être juteux, ça va être juteux. T'as coché Weirdo? Ouais. Eh bien on est chaud. On va dire que papa l'a eu le temps. C'est ma vie. Ah. Voilà, il est mort, on peut plus le tenir là. Ah. Bravo Anya. Au revoir. Ah, bon, une game intéressante. J'ai appris un truc sur le mimique quand même. Ah, bravo, hein. Franchement, bravo. Oh là là, ouais. Est-ce que vous êtes en forme pour en faire une suivante? Oui, voilà. Une dernière, moi. Une dernière? Mais c'est bien pour un dimanche de tente. Ça marche pour une petite dernière. Ah, on va tout ajouter. On est généreux. Allez, toi, allez. Aléatoire? Ouais. Pouf! Ah, j'étais dans les dents de quelqu'un. Voilà, j'ai une photo contre-mettante là entre Weirdo et Anya. J'ai une tête qui dépasse là. Voilà. Je l'ai eu. Clac. Pas prêt. C'était moi. Et le chef aussi. Le chef n'est pas prêt. Allez, profitez de la dernière enquête. Le Sunny Meadows. Oh, c'est l'asile. En professionnel. Oh, pas mal comme map, pas mal. Hein. On va peut-être faire quelque chose de bien. On va pigner surtout. On va peut-être s'organiser. Hein. Ça va? Ouais. Mais si, ça va. C'est le grand. Aïe, aïe, aïe. Oh. C'est le grand asile. Il y a un compteur par là. Oh, il y a un seul compteur électrique. Oh, mon dieu. Tiens, je prends la parabole. C'est le grand asile. Ça la parabole. Complexe. Ah oui, ça va être complexe, ça. Oui, t'as raison pour la parabole. Oh, ouais, la parabole est pas mal. Si on l'a réussi, celle-là, je serais fier. Ouais. Leslie Stevens. Pourquoi il y a une photo là? Crucifix, parabole. C'est quoi ça? Il y a une seule parabole. On prend tous un casque par contre. Merde, si je prends une UV. Capteur sonore. De... EMF, ouais. Et je prends le bouquin, moi, si on trouve la pièce. Vous êtes déjà partis? Ils sont déjà partis. Eh ben, on finit en beauté à l'asile! Ah, ils l'ont entièrement refait. Tu le connais pas, vas-y, si. Non, je connais pas celui-là. Ah. Non, c'était moi. Service. Vous avez un plan? Ah oui, on l'a fait une fois. Il est trop bien, celui-là. Il y a le... Oh, la chapelle, oui. Avec la petite jolie. Ouais, il y a peut-être des choses là. Ils foncent là, les gars. Moi, je suis déjà en bas. Comment ça? T'es en sous-sol? Ouais. Je l'ai. Attends. C'est pas possible. Je sais même pas où c'est le sous-sol, moi. Quand tu rentres, tout de suite à gauche, ou presque. Je devrais l'invoquer. Tout de suite à gauche? Là? Ah mais là je suis dans une salle. Ok, j'ai vu, je descends. Je sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés de venir en bas. Ils sont partis ensemble, d'accord. Écoute, j'essaie de se retrouver, papal. Hein. Alors là, si je panique, je suis mort, hein, de toute façon. T'as pris à droite ou à gauche à l'entrée de la sous-sol?
Ah bon? J'ai eu un sang dans le couloir. Écoute, je prends à droite, la porte est fermée. T'es passé par les rideaux? Oh là 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 là. Ah, qui c'est qui est en face de moi? Je vois une lampe. Alors, phasmophobia, si tu ne connais pas, c'est une chasse aux fantômes. Il faut trouver des indices et on peut se faire tuer. Là. T'es pas drôle. T'es pas drôle. T'es pas drôle. On est en train de faire l'asile et le mec il joue à cache-cache dedans. Du coup, t'as fait quoi? T'as bon fait alors, ce côté-là? Ils ont dit qu'ils avaient entendu quelque chose dans le couloir. Oh, ils sont à l'entrée là, ils sonnent. Arrête de jouer là. Ah les gars, là, vous êtes planqués à l'entrée, j'y crois pas. Alors, c'est où que vous avez entendu du bruit? J'ai entendu un son là dans le couloir. Ah ok, on y va, on va inspecter. Donc chacun a son détecteur pour opérer. 1,3. Ah net, avec son thermomètre, moi je suis avec un détecteur de fantômes EMF. Donc le voyant, si c'est au max 5, c'est une preuve. 1,1. Ah ouais, t'es dans le bon endroit là. Donc on rentre dans les pièces pour être sûr. Ah, je sais pas d'ordre. Et quand on localise la pièce, on posera d'autres objets, des caméras, des bouquins. Rien du tout. Le couloir est long, hein. 3,5 là. Non mais c'est peut-être parce que je suis devant toi, non? Ah, température glaciale dans la pièce. EMF2. Ah ouais. 4,9 même. EMF2. On a eu une manifestation fantomatique. Weirdo? Se calme. Ouais. On a trouvé la pièce. On regarde celle à côté pour être sûr. Et gauche, au rez-de-chaussée. Aïe, 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 aïe. Non, c'est le côté. Donc c'est bien la pièce, je pense que tu l'as trouvée. Hein. 2,3. Ouais, bah j'ai les bouquins, je vais poser ça. De toute façon, t'as vu la température glaciale? Ah oui, 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 il y en a encore là. J'ai posé le livre. Moi, j'en ai pas, hein. Ah, si! C'était quoi ce bordel? C'était où? Je l'ai pas vu! Devant la porte, 10h05, c'est. Ouais, température glaciale, c'est confirmé, hein. Ah, oui, bah oui, j'ai vu. On est MF2, on n'a pas 5, on se casse. 10,5. On va chercher la caméra alors. En plus. Il est à combien? 2. Juste à 2. Je l'ai pas vu, moi. Je l'avais en main, ne vous inquiétez pas. Mais il avait fermé la porte. Oui. Bonsoir Bjorn, on a assisté... Je l'ai pas vu, j'ai l'appareil photo et j'ai pas pu le prendre en photo. Ah non, il y a eu une tentative, il n'est pas paru. Il a fait la... C'est la dernière enquête pour l'équipe, on est dans l'asile. Et après, je verrai si je continue autre chose en solo. À gauche, tu pourras pas louper. Arrête de jouer. C'est joli. Bon bah Dot, c'est caméra, hein. On est parti pour, hein. Température glaciale déjà. Oui, les preuves. Oui, mais on l'a pas vu. On a que la température glaciale. Oui. Ok. En santé mentale. Oh, ça va, ça pas pris. Oh, mais dis donc, on a fait des. On a validé des choses. Apparition fantomatique, ouais. Sifi maintenant. Qu'est-ce que vous emmenez? J'ai posé le bouquin. Une caméra? C'est fait. Ah bon? Ah. J'ai rien. Le DOTS? T'as emmené le DOTS? Oui. D'accord. On va régler, hein. La chapelle. Le jardin. On voit papa dans le couloir. Qui c'est qui joue dans la chapelle, là?
Bon, on a zéro activité. Oh, 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 j'entends claquer. Il y a une belle attaque. Ah, je crois qu'on a perdu quelqu'un. Mince alors. Weirdo, il faut que tu sortes, t'as 15%. Sors de là. J'ai entendu quelqu'un mourir. Eh ben c'est Weirdo qui est mort alors. Weirdo est mort. Oui, il a touché au pentacle. Ah, quelle andouille. Bah, c'est le spécialiste des... C'est vrai, c'est vrai. J'ai l'habitude, quand je regarde, je me dis à chaque fois il le trouve, et à chaque fois... Et là, j'ai entendu... Il était en train de l'allumer, je me suis barré parce que... Mais t'as bien fait. Mais c'est bizarre, parce que moi j'ai été mettre le... Non, non, mais t'inquiète, il a fait une bêtise. Oui, oui, je l'ai vu se diriger dans l'église, dans le... Et j'entendais allumer. Je me suis dit, ça y est, c'est foutu. Eh ben, il s'est fait avoir. Bon, bah, pilule, là, quand même. Pilule, pilule, oui, pilule. Oui, oui, parce que là... Il en reste que deux, qui c'est les plus faibles. Ah, fait chier, la lumière est allumée dans le... Aïe, aïe, aïe. Et surtout, on a qu'une seule preuve, on a les températures, c'est tout. Oh là 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 là. Je m'en doutais qu'il allait l'allumer, je sais pas pourquoi, j'ai vu prendre le briquet. Alors, je prends un spirit box. Il a allumé quoi ? Le pentacle. Ah. Donc, du coup, voilà, il a déclenché l'attaque. Est-ce qu'il l'a pris en photo au moins ? Ah, j'ai pris ça. Ah. Bien. Il l'a pris en photo, 3 étoiles. Oh, bah au moins il aura servi à ça. Beau sacrifice, Weirdo. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh ben, on va emmener tout ça. Crucifix. Ah oui, si, attends, on va voir s'il passe. Ah, mais c'est vachement loin, la caméra. Moi, je vois que de la merde, en fait, cette caméra. On en emmène une autre, tu veux ? Tu vois quelque chose, toi ? Mais non. Température glaciale. Elle est placée trop loin. Je crois qu'elle est... Non, non, mais en fait, moi, je vois un carré noir avec un fond bizarre. Ah non, non, moi, je vois vraiment le... Je le vois, moi, la pièce, là. Je vois vraiment tout, hein. Elle est à distance du dot. Non, moi, je vois rien du tout. Ah bah, c'est buggé, alors. Il n'y a aucune orbe. Il n'y a pas de dot. Probablement. Bon, alors, tu sais quoi, je vais y retourner, je vais poser le crucifix. Vous allez me dire quand c'est à zéro. Tu veux que je vienne avec toi ? Non, tu veux y aller tout seul pour le crucifix ? Non, je vais y aller aussi avec mon appareil photo. Donc, crucifix, appareil photo. Faut que quelqu'un me dise quand c'est à zéro, en fait, l'activité. Eh bah, ok, on surveille. Adieu, papal. Je te laisse la caméra si tu vois quelque chose, tu me dis. En fait, la victime, Leslie Stevens. Cercle d'invocation a l'air dangereux, bah ouais. Il a pu la prendre parce qu'il a déclenché le pentacle et... Activité 9, 10, attaque papale. Aïe, 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 aïe. Oh punaise, ça a monté tout de suite alors qu'il était pas au plus bas, il est à 62%. Et la porte, elle s'est fermée ? Non, c'est vrai ? Il y arrive là, je vois l'écran en même temps. Ça redescend à 8, t'as survécu ? Non, je sais pas pourquoi, j'étais sûr que c'était pas une attaque. Activité 0. C'est 0. C'est maintenant, papa, là. Activité 2. Oh, il est sympa, il rapproche la caméra. Nickel, là. Nickel. Tu vois mieux que moi, Nia, tu lui diras. Et si t'appuies sur le clavier, on l'aura peut-être en couleur, le dot. Est-ce qu'il est bien placé? Ok, c'est pas mal. On a la pièce tout en vert. Est-ce que ça a validé, du coup, c'était quoi? J'ai l'attaque d'un crucifix, ça c'est dur. Il faut le... je vais essayer de venir. Et je vais prendre quoi comme outil à côté? Appareil photo. Surveiller pour le DOTS. Non, je vais voir si Weirdo avait pas une spirit box. Tu veux pas que je vienne? Je pense qu'il faut être solo pour la spirit box. Je suis devant à l'entrée, je viens de te voir passer, j'ai la spirit en main.
Tiens, je te le jette. Hop. Voilà. Allez, je suis reparti. Oh, j'entends le MF sonner. J'ai quelque chose sur la table. J'ai combien de santé mentale? 53. Et c'est monté à 6. Ok, il reste une pilule ou pas? Non. Par contre, elle a jeté quelque chose sur la table. Je sais pas ce qu'il y avait sur la petite table. Toujours pas d'orbe. Ça a été jeté. Voilà, on ne regarde plus l'activité, ça sert à rien, il a posé le crucifix. On va se crever les yeux à l'écran, on va essayer de trouver un indice. Ah, tu connaissais pas ce jeu-là, Vivi? On prend un peu de Xanax, en fait, et après on est zen pour y aller. C'est pour ça. Elle gèle des trucs, mais je sais pas ce que c'est. Bon, on voit pas de petite luciole flotter. Spirit box validée. Ah, ok. Ouais. Onryo, jumeau, mimic, moroi. Off. C'est pas les mieux qui restent, hein. Les UV, les empreintes. C'est 5. Tu as un truc d'empreinte pour voir ou pas? Ils sont plus dans le camion. Le livre est au sol, normalement. Il n'y a rien d'écrit? Non, il n'y a rien d'écrit. Pas d'écriture. Pas d'orbe, pas de DOTS. Quelle est ta santé? Tu descends doucement, hein, t'as 42%. Digital, peut-être? Tu as un truc d'empreinte sur toi ou quoi? Oui, moi j'en ai un. Ah, il y en a un là. Écoute, eh ben on y va. On te rejoint si tu veux. Allez, soyons fous. C'est la dernière. Si tu sonnes, ça va pas aller avec le fantôme. Oh bah, ok, on sort. Ah bah voilà. Ah, c'est rapide. MF5, super. C'est encore les jumeaux. Oh là là, mais c'est pas cool. Les jumeaux papal. C'est qu'il a pas marché. Ah, il a pas pris la caméra frontale. Bon bah GG hein, pour le MF. Hein. Est-ce que j'ai eu qu'un 2 moi? Ouais. En fait, il fallait vraiment rester dedans et tout ça, c'était... Bon par contre, effectivement, j'aurais bien aimé le provoquer avec le crucifix, je vais y retourner. Je venais faire un point surtout. Ah merde, il a pas pris le crucifix. Non, ça a pas marché. Pendant l'apparition, ça a pas validé. Alors, parce que j'osais pas non plus regarder dans mon truc. Donc on a dit Spirit Box, température glaciale et EMF5. On a oui. Les jumeaux. Ok. C'est les... pas le mieux. Hein. Donc il nous manque juste le crucifix à faire valider. Le crucifix est bien placé. Tu sais que si tu meurs, on va pas y aller. Hein. Oui, ben je sais bien. Je sais. Je sais bien. Tu veux que j'y aille? Je vais y aller si tu veux, mais j'ai quelle santé? Non, mais il y a que moi qui peux faire attaquer là. Il faut que le crucifix fonctionne, sinon. Tu l'as emmené parce qu'il n'y en a pas d'autre là. Est-ce que l'un de vous a un crucifix sur lui ou pas? Non, non, j'ai appareil photo. Ok, donc Weirdo avait peut-être le crucifix. Ah oui, sûrement. T'as une caméra frontale qu'on rigole un peu? Il est dans la salle d'invocation le crucifix. J'ai pas. Ok. Tu as entendu? Dans la salle d'invocation, le crucifix. Et la salle d'invocation, c'est laquelle? C'est la chapelle. Bah là, la chapelle. La chacha. D'accord, ok. C'est là où j'ai mort. Attends, parce que je voulais reprendre un appareil photo. Est-ce qu'on l'a pris en photo, Je te montrerai après, Vivi.
le jeu, la page Steam, Phasmophobia. Et en fait, on peut jouer jusqu'à 4. On peut jouer en solo ou autre. Il y a plusieurs modes, et nous, on joue en mode professionnel. Et le pire au-dessus, c'est Cauchemar. Tu n'avais pas un appareil photo, regarde-nous. J'en ai un. Tu le veux ? Ah, pour prendre en photo. Allez, ouais. Voilà. Parce que des fois, il se montre que je le prenne en photo. Oui, d'accord. Ah bah, quoi que non, il l'a pris, lui. Il l'a pris en photo, oui. Mais on a pas le cadavre de Weirdo, par contre. Non, on n'a pas. Tu pourrais prendre. Eh ben, merci, Papal. Voilà, donc la règle du jeu, c'est les quêtes bonus, c'est trouver les 3 indices pour être sûr d'avoir un fantôme. En mode cauchemar, on n'a pas accès à la santé mentale, on n'a accès qu'à 2 indices. Et à part ça, on rigole beaucoup et les grosses frayeurs. Et en plus, il y a des mises à jour ponctuelles. Eh, pas pris de caméra. Voilà. Oh. Et là, c'est la pièce qu'on a localisée parce qu'on a eu des vapeurs froides, des températures glaciales. Et on a eu un titre EMF. Et c'est Anya qui a détecté avec la parabole sonore qu'il y avait du son dans ce coin-là. Comme ça qu'on a pu capter. J'ai pas vu le corps de Weirdo. Il l'a peut-être mangé, hein. Bah, il a pas dû aller loin parce que dès qu'il est allumé. Et seul, en solo, j'ai jamais fait ce jeu. J'ai pas envie, hein, honnêtement. Oh non, non, moi j'ai essayé. Ah, il arrive dans la pièce, là. Je vois la lumière. Oh, c'est... il y a une attaque, là. Oh, une attaque. Oh. Ça a pas validé. T'es à 20%. T'es à 20%, papa, et ça n'a pas validé le crucifix. Oh. Important, les jumeaux, c'est galère. Mm. Et tu vois, ils agissent avec l'environnement, donc ils peuvent faire poltergeist apparemment. Remonte à 5. Remonte à 8. Il va avoir une attaque là. Mais il provoque, hein, il a crucifié. Ouais. On descend à 4. Oh. Derrière toi. La vache, oui. Ah. Et alors, il le pose ? Il fonctionne pas là, c'est. Toujours rien. Toujours pas validé. C'est pas possible. Il faut avoir le crucifix sur soi pour que ça marche ? Non, non, faut le mettre par terre. Il veut une activité à zéro alors. Non, je surveille. Oh là, là, il va mourir. Non. Activité à 3, je te dirais. Un crucifix pour qu'il le pose, hein, pour qu'il le laisse par terre. Et il veut zéro, c'est ça. Oui, beaucoup de temps dans le camion, Bjorn. Merci de reconnaître notre courage. C'est en fait, on a tout trouvé. On a déjà fait on tout est obligé le d'être, de rester vivant parce que s'il meurt. Nous, on aura le pognon. Après, on a déjà tout, c'est vrai, on a déjà tout. Et là, En fait, c'est pas mal qu'il veut un bonus. Faut qu'il le pose par terre. À 4. Arrête de faire la gigue. Mais il est chiant, il veut pas attaquer là. J'arrête pas de réclamer qu'il attaque, il attaque pas. Attends, c'est comment son nom ? Le crucifix. Leslie Stevens, si vous voulez exciter. Leslie Stevens. Le crucifix. 2 hours later. Il attaque quand le crucifix est par terre. 0, c'est à 0, vas-y. Il va brûler. Activité à 0. Il y a déjà un par terre qui a pas brûlé encore. Oh la vache. Elle m'appelle là. C'est honteux. Leslie Stevens. Sors de ton corps. Leslie Stevens. C'est bizarre parce que normalement... Bah ouais, il t'a combien ? Oh, il devrait se faire bouffer tout cru là. Il faut que la moyenne descende à 50%. Pour avoir une attaque. Tu l'appelles ou pas ? Non, bah... Je fais que ça. Ça remonte à 3. Voilà, là il va y avoir une attaque. C'est à moins 46% de moyenne. Ah, finaise. La pas marche pas, hein. Leslie Stevens, attaquez-moi. Pas moi. Elle te trouve pas à son goût, hein. Ah, il y a eu quelque chose derrière lui. Il y a eu quelque chose. Donc il faut juste que le crucifix fonde et on aura la coche rouge au tableau.
Ça marche ça, tu crois ? Non, j'en pense pas un mot, mais bon. Oui, ça remonte 4. Je sais pas si ça existe ça. Des jumeaux fantômes gays. Ils sont joyeux, moi. Je pense qu'ils s'attaquent pas au bon, là. Ça me rappelle une séquence. On l'avait fait à plusieurs une pièce, hein, ça. Et que tu veux que te vienne. Elle en est où, ma santé mentale, là? T'en as plus, ça s'entend. Combien? Zéro. Pourquoi il attaque pas? Eh bah, c'est bugué, je vais valider. Il attaquera pas. Bah il descend pas en dessous de 50, il attaquera. Oh, je le savais. La moyenne, elle descend. Mais pourquoi j'ai plus de lampe, moi? Pourquoi j'ai plus de lampe? Je te jure que j'ai un problème, là. Écoute, j'arrive. J'ai pas envie, mais je viens. On va y aller cool, hein. Je me suis appuyé à gauche, hein. C'est ça. Hein. Ah oui, je vois. Ouais, j'ai vu. Il montait à 5. N'aie pas peur, attaquez-moi. Mais vas-y, bouffe-le, Leslie Stevens. Leslie Stevens. Oui, elle est vieille. Attaquez-moi. Attaquez-moi, je vous en supplie, attaquez-moi. Comment tu faisais? C'est la chenille qui redémarre. Leslie Stevens sort le whisky. Mais ouais, allez, viens, bouffe-nous. Allez, on n'a pas peur. Attaquez. Même pas de carottes, tiens. Allez. On n'a pas peur, attaquez. Leslie Stevens, Leslie Stevens, Leslie Stevens, Leslie Stevens, Leslie Stevens, Leslie Stevens. Leslie Stevens, attaquez. Ah, elle s'excite à côté, hein. Allez. Allez, amène ta jumelle. Mais oui, t'es vieille. Leslie. Stevens, tu as peur? Ouais, elle aimerait bien, mais elle vient pas. 9? Oh, c'est pas mal. Leslie. Leslie. Allez, le chat. Leslie Stevens. Leslie Stevens. Leslie Stevens. Leslie. Si, la spirit marche. Oh punaise! Casse! Oh, putain, allez! Enfin. Non mais c'est bon, le crucifix a cramé! Ah non, mais ce qu'il a fallu faire quand même? Bah il faut crier son nom à plusieurs, voilà. Non mais limite, je me suis frotté contre elle, elle a pas bougé. Ça marche pas tout le temps ça! Et le crucifix, ça nous protège combien de temps quand il crame? Ça nous protège d'une attaque, mais je crois qu'il peut protéger deux attaques, il me semble. Eh ben, bravo. On aura fait tous les bonus de cette map. Ça valide. Oh là là. Obligé de danser la chenille au milieu, là. Une attaque à 10, là. Eh ouais. Et ça a validé. On a tout. Franchement, là. Allez, Anya, t'as le droit de fermer le camion. On peut valider la mission. Voilà. Bravo. Allez. Et pourtant, tu t'es frotté, hein. Vachement frotté, hein, mais... Ouais. Il a fallu. C'est plein les draps là-bas. Non, mais il a fallu que je vienne pour le sex appeal, tu vois. Faut que la moyenne descende à 50%. La moyenne descend à 50%. Bah ouais, donc il a fallu que je vienne et que je perde alors. Bon, pour un asile, dis donc. Allo, weirdo? Oh la vache! Non, mais 426$! Combien? 426. Non mais c'est dingue. C'est cool. Ouais, sympa là. Oui. Ah, on n'a pas trouvé l'os. Oh. Attends, c'est pas mal. Pas mal du tout, hein. Et d'ailleurs... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est tout. Regardez, allez, Google. Bon, allez, on sait que papa est fatigué, on finissait à l'asile. Et d'ailleurs, j'ai été faire les bêtises, je ne vois même plus le chat. C'était pas mal comme game.
Pas mal du tout. Ouais, sympa. Je regarde un peu. Non, il n'y a pas de petite musique sur Discord qui me plaise. Mais j'ai quand même eu 426$. Combien? Bah ouais. On se fait une réunion. Une réunion. Oh, tu me fais peur là. Au secours. Viens, on se fait une réunion. C'est pas beau ça, c'est pas beau. Rentre pas dans leur jeu, Anya. Sois pas comme eux. Non. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi dans nos bêtises, notre détente du dimanche soir. Merci à Weirdo de nous retrouver ponctuellement. Merci à Anya d'accepter de venir avec trois hommes. Il n'y avait pas de couffin, mais bon, c'était tout pareil. On a le grand papa le Bator. C'était pas mal, hein. Il y a moyen de faire des figures. Ouais. Weirdo, il fait exprès de mourir pour pouvoir dormir, en fait. Je pense qu'il a fait ça. Mais... je crois qu'il s'ennuie surtout sur le jeu là. Ah, t'as atteint ta limite. Mais il y a le jeu de démonologie, ce qu'on n'a pas encore vraiment déverrouillé. Ah oui, j'ai pas encore essayé ça. Tu l'as ce jeu là, Anya? Oui, oui, oui. Eh ben, une prochaine fois on reviendra dessus, ça pourrait être cool. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je ne sais pas, mais. C'est la fatigue. Allez, dans le chat, merci à vous d'avoir suivi. Merci à Bjorn TV, Vivi Braze 460, Ectoplasme bien sûr, et tous les autres. Et on se retrouvera pour une prochaine fois. Bye bye le chat. Et d'ailleurs, si j'ai un final, je ne sais pas, mais si j'ai un petit final, tchuss! Tchuss!